Salut tout le monde, c'est Anto1338. Alors, toujours sur Daylight pour récupérer une autre arme spéciale, enfin unique. Alors, regardez sur la petite map, voici l'emplacement où elle se trouve, donc dans le bidonville toujours. Voilà, c'est cet immeuble en U un petit peu là. Donc, essayez de retrouver sur la map, c'est au nord, il me semble, de la map. Mais vous reconnaîtrez facilement, il n'y a pas beaucoup de bâtiments comme celui-là. Vu de haut, vous voyez, y a trois maisons juste autour, quoi. Enfin, trois maisons. Ouais, trois lieux sécurisés autour. Pas loin de la voie ferrée. Et après, il va falloir monter. Donc en fait, c'est une machette. La machette Korek. Donc là, faut monter sur cette ventilation. Ensuite, sur le lampadaire. Donc moi, j'ai un peu galéré à monter, ne serait-ce que sur le lampadaire. J'ai pas trouvé ça très, 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 très pratique et facile, quoi. Mais bon. Donc c'est une machette. Donc ensuite suivez la vidéo exactement par là où je passe, sinon vous allez tomber et vous allez mourir. C'est une machette en fait, enfin c'est un plan de machette qui permet de faire une machette qui est relativement efficace. Bon, elle est assez puissante. Bon, il y a plus puissant par la suite, mais disons que c'est déjà pas mal. Et surtout, elle a un skin unique, c'est-à-dire que elle a, il y a écrit Korek dessus. C'est la seule. La seule machette à être comme ça et tout, elle est plutôt stylée. Bon, faut aimer les machettes après quoi. Et en plus, ce qu'il faut pour la fabriquer, il faut juste des pièces métalliques et de l'alcool. Voilà, c'est encore une parodie, un peu comme l'autre vidéo que j'ai fait sur Excalibur. Donc en général, on a toujours un peu d'alcool sur nous et toujours un petit peu. Bon, je dis un peu, mais il faut quand même 10 bouteilles d'alcool. Et 20 pièces mécaniques. Donc c'est pas rien, mais disons que c'est des matériaux qui sont quand même faciles à trouver quoi. Donc là faut faire très attention là où je viens de monter de pas tomber dans le vide en montant sur le petit rebord. Après voilà, vous retrouvez tout en haut de l'immeuble. Disons que c'est une machette qui peut un peu simplifier la vie si vraiment il y a des endroits où vous galérez. Vous vous préparez la machette et vous l'utilisez que dans des endroits où il y a beaucoup de zombies. Ça peut être pratique. Voilà, donc ensuite vous montez là derrière les tonneaux bleus. Et la boîte se trouve ici, à côté d'un petit lapin rose. Et là, par contre, il va falloir cliquer sur utiliser, enfin sur ouvrir, sur carré, donc pendant au moins 60 fois quoi. Donc la vidéo, je l'ai raccourcie pour pas que ce soit trop long parce que ça devenait chiant à la fin. Enfin, je me suis dit que ça sert à rien de montrer un mec qui ouvre pendant 60 fois la boîte, quoi. Et du coup, il faut vous acharner jusqu'à ce qu'elle finisse par s'ouvrir, puisqu'elle va finir par s'ouvrir. Et dedans, vous aurez le plan de C'est fait. machette correct. Oh Voilà, mon Dieu. comme je viens de prendre. Et c'est cette machette-là qui est une arme plutôt sympathique. Allez, salut à tous!